Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, bonsoir à tous ceux qui se connectent là maintenant. Donc, merci pour ceux qui partagent le live. Merci pour tous. Jibali, toi tu peux participer à mon live. Participer à mon live. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Législateur. Salut. Ouais. Salut. Ouais, salut. Je suis dans le black. Hein. On dit quoi, man? Hein? Je vais parler des choses de ton pays, en fait. Je te capte pas bien. Qu'est-ce que je cherche? Oh. Hmm? Je t'entends pas bien, tu sais que la 4G plus des Athènes. Hein? Ah? Donne-moi alors une minute, je te reconnecte tout à l'heure. Le temps pour faire les informations. D'accord. Bon, alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si le son est bon. Si le son est bon, merci de bien me le faire signe. Si le son est bon, merci. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Le son est bon, s'il vous plaît. Si le son est bon, faites-moi un pouce. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me connecter sur ma guide. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Désolé, hein, juste dans le bus, hein, je suis en train de rentrer, chez moi. Je sors d'une conférence. Donc, vraiment désolé, c'est pas mon cadre habituel. Le son n'est pas bon. On me dit que le son n'est pas bon. Je sais pas pourquoi. Le son n'est pas bon. Est-ce que le son n'est pas bon? Le son n'est pas bon. Je vérifie tout ça. Alors, le son n'est pas bon. Allô, là vous m'entendez mieux? Pas bon. Ok, c'est bon déjà. Ok, d'accord. Alors, si le son est bon déjà, on va commencer. Bien. Ok. Alors, je suis très mal. En ce moment, je suis très mal, je suis pas déçu. Je suis juste un peu mal. Je suis mal d'une chose en réalité. Enfin, plusieurs choses en réalité, mais il y a une chose qui me préoccupe, c'est de constater que, une fois de plus, que nos aînés qui sont censés nous guider, nos aînés qui sont censés nous montrer le chemin, nous montrer la voie, sont les premiers à tout faire pour nous distraire. Mais je suis aussi fier d'une chose, c'est que fier de savoir que notre capacité d'analyse aujourd'hui est plus que, j'ai envie de dire, n'est pas encore au top niveau. Mais notre capacité d'analyse aujourd'hui, je voudrais dire, est de plus en plus pertinente. On peut désormais se fier à cette capacité d'analyse pour pouvoir prévoir, mais surtout pour pouvoir orienter notre peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut rire? Est-ce qu'il faut fêter ce qui se passe à Libreville aujourd'hui? Est-ce que je dois me réjouir de ça? C'est la question. Je ne peux pas me réjouir de ça.
Je ne peux pas me réjouir de cela pour la simple raison que le fait que je sois né en vie gabonais, j'ai la responsabilité de tout faire pour que ce pays survive, mais surtout soit prospère pour les générations à venir. Toute action qui entraînera la chute, la perte de ce pays, ces actions, pour moi, ne peuvent en aucun cas être une raison de réjouissance, une raison de une raison de réjouissance. Enfin, je ne peux pas me plaire de cela. Une fois de plus, notre pays a été l'objet d'une moquerie qui n'était pas seule. Une fois de plus, notre pays a été objet d'humiliation. Et ce, pas avec la participation des Gabonais, mais ce avec l'accord des Gabonais, et pas des moindres. L'accord de ceux qui ont vécu les événements de 2016. Je pourrais citer comme ça Annie Léa-Meyi. Je pourrais citer Jean-Gaspard Toutoumaï. Je pourrais citer Casimir Oyemba. Je pourrais citer toutes ces personnes qui étaient dans l'opposition. On a l'impression que nous sommes dans une... Nous sommes vraiment face à ce qu'on appelle le syndrome du poisson rouge. Et là encore, je suis très sympa. Ça, c'est quand je veux défendre la thèse pour laquelle ces personnes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais lorsque l'on revient sur les réalités, on se rend finalement compte que ça n'a rien à voir avec la thèse, le fait qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est parce que les gens se sont dit, oui, le pays est abandonné. Et que c'était l'occasion nécessaire aujourd'hui pour pouvoir profiter, soit pour certains qui avaient réellement, parce que animé peut-être par une quelconque idée réelle que les élections législatives pouvaient changer des choses, ou par d'autres qui se sont dit, tiens, le pays est à l'abandon, profitons de prendre notre part avant que le déclin arrive. Mais dans tous les cas, que ça soit ceux qui avaient des petits calculs personnels, que ça soit ceux qui étaient naïfs parce qu'ils estimaient ou encore ils ont cru par je ne sais quel miracle à une possibilité que les choses changent dans ce pays par l'élection présidentielle, et bien ces personnes ont tout simplement été déçues. Mais la déception ne se limite pas qu'à ces personnes. C'est une fois de plus le peuple gabonais, c'est une fois de plus ce beau pays qui nous a tout donné, qui a été humilié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que je me sens très mal. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me sens obligé de parler, que je me sens obligé de communiquer. Il n'y a rien à pouvoir me réjouir de ce qui se passe en ce moment. Mais je vais continuer à sensibiliser. Parce que j'ai compris que la sensibilisation ne se limite pas seulement à ceux qu'on pense qui ne comprennent rien dans le bas quartier. Non. Eux, au moins, ils ont compris quelque chose. Parce que on a au moins près de 80%, plus de 80% d'abstention. Plus de 80% d'abstention. Ça veut dire que les jeunes au quartier ont compris, mais que ceux qui sont censés les guider n'ont rien compris. Alors ça veut aussi dire que la sensibilisation désormais, et le qu'elle soit du côté des jeunes dans le quartier, elle devrait plutôt être envers ceux que nous considérons comme étant nos aînés. Parce que ce sont eux qui n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris pourquoi? Parce que, soit, comme je vous l'ai expliqué au départ, ils sont en train de faire leurs calculs personnels, ou soit ils sont tellement naïfs qu'ils pensent réellement encore que l'élection est une solution encore pour le Cameroun. Je crois que nous, en tant que Gabonais, nous devons, chacun d'entre nous doit prendre, pas je crois, ça devrait être cela. Si tu es né Gabonais, tu dois prendre tes responsabilités pour la prospérité du Gabon. Ça doit être une condition sine qua non. Si tu es né Gabonais, tu dois savoir que ton rôle, ton objectif, la raison pour laquelle tu vis, doit être celle-là. Comment faire pour que le Gabon devienne prospère? C'est ça le rôle de Gabon. Et c'est pour cela que moi je me bats.
Je n'ai rien à foutre de ne plus avoir l'occasion, les autorisations, l'occasion de pouvoir rentrer chez moi tant qu'Ali Bongo sera là. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Je n'ai rien à foutre de ne pas être parmi la liste de ceux qui ont cru un moment que c'était désormais leur tour d'aller à l'Assemblée nationale. Renouvellement de la classe politique, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important est de trouver la bonne formule, la bonne politique pour que mon Gabon soit prospère. Et c'est cette prospérité du Gabon que je suis, dont je suis à la recherche. Et la prospérité passe par des hommes. Ce sont les hommes qui rendent un pays prospère. Qu'est-ce que c'est qu'un pays prospère si les hommes ne sont pas formés pour? Qu'est-ce que c'est qu'un pays prospère si la jeunesse n'est pas éduquée? Je suis jeune et aujourd'hui je me lève, je me bats au nom de la jeunesse que je représente. Mais surtout, j'estime et je veux que cette jeunesse aujourd'hui ait la même opinion, la même vision que la mienne, parce qu'elle sera de rendre le Gabon prospère. Notre responsabilité nous oblige à accepter ça. Nous devons peut-être aujourd'hui commencer à nous poser des bonnes questions. D'accord, l'élection présidentielle ou encore la politique, l'élection en un mot, n'est plus une solution pour notre pays. Oui, on peut se poser cette question, mais quand on se pose cette question, d'accord? C'est notre problématique. Quelles sont les solutions qu'on apporte? Nous avons demandé aux partis politiques, au lieu de devenir des porte-voix d'une pseudo-élection, d'une véritable réussite, qu'est-ce qui sert de leur porte-voix pour apporter le bon message auprès des populations? Combien de millions ils ont dépensé dans cette élection, alors qu'ils auraient pu dépenser autant d'argent pour pouvoir sensibiliser la jeunesse gabonaise? Combien d'argent a-t-on dépensé à faire les tours du Gabon, alors qu'on aurait pu dépenser cet argent-là pour pouvoir éduquer la jeunesse gabonaise? Tout simplement parce qu'on n'a rien à foutre de cette jeunesse. Le dire comme ça, ça semble anodin. Ils n'ont rien à foutre de savoir que la jeunesse peut avoir une chance, non seulement de pouvoir trouver, mettre en place des politiques afin de pouvoir rendre le Gabon prospère, mais rien à foutre parce qu'ils préfèrent que cette jeunesse soit toujours à leur merci, à leur portée. Et parmi cette jeunesse, il y a encore une autre jeunesse qui s'identifie comme étant le porte-flambeau, le porte-voix de cette jeunesse qui, en réalité, estime que c'est leur tour. Leur tour à eux désormais est arrivé, doit avoir aussi une place au soleil. Tout le monde aura une place au soleil. Lorsqu'Ali Bongo partira, chaque Gabonais aura une place au soleil. C'est inévitable. Soyez-en sûr. Chacun d'entre vous aura une place au soleil. Mais moi, je ne veux pas qu'on ait une place au soleil pour un jour. Je veux qu'on ait une place au soleil pour les 1000 ans à venir dont notre pays sera prospère. Et que ces 1000 ans, cette place au soleil en profite pour tous les Gabonais. C'est là la différence entre ceux qui sont pour une révolution, et surtout pour une révolution intellectuelle, et ceux qui sont pour un objectif immédiat, mais qui ne tient que sur les promesses de 2-3 personnes, ou encore de compromis qu'on peut se faire qui se sont faits dans les chambres d'hôtel, et j'en passe. Donc c'est exactement de ce dont il s'agit. Donc aujourd'hui, nous sommes tous jeunes. Et là, je m'adresse à tous les jeunes qui sont connectés aujourd'hui. Je m'adresse à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Barry dit, je pense qu'après Ali, on nous imposera un autre. Barry, tout le monde se connaît, nous sommes amis. Au passage, Barry, c'est qui? Barry, c'est mon très 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 vieil ami. On a été au collège ensemble, au lycée ensemble, vraiment un très très vieil ami. Tu sais Barry, ce que je vais te dire par rapport à ce que tu dis là, c'est que tu dis, mais je pense qu'après Ali, on nous imposera un autre pantin.
Tu sais, Barry, tu es jeune. Tu es très très jeune. Si tu investis, depuis que nous avons commencé ce combat, 5 ans de ton temps dans ce combat, en tant que jeune, lorsque le moment viendra où on va nous imposer notre pantin, la jeunesse gabonaise, parce qu'elle sera prête, personne n'acceptera qu'un autre pantin prenne la pantin. Mais lorsque l'on doit se préparer pour que cette hérésie, cette honte ne puisse pas avoir lieu, nous pressons notre temps à aller au législatif parce qu'on estime qu'il est temps pour nous d'aller à l'Assemblée nationale, dit-on certains, qu'on veut renouveler la classe politique. D'autres, nous n'allons jamais être prêts au moment venu où on devrait tout faire pour que ces pantins, justement, ne puissent plus venir. Bonsoir, Nathalie Ital. Bonsoir. Donc, en gros, c'est un peu ce dont il s'agit. Il faut que nous, en tant que jeunes, nous préparions maintenant pour que, lorsque le moment viendra où on voudra nous imposer un pantin, nous soyons prêts pour dire non. Pour ne pas attendre 2023 comme certains attendent 2023, pour que lorsqu'on viendra leur imposer un nouveau pantin, ils viendront, c'est à ce moment-là qu'on se réagira en disant oh, en fait, c'est pas non. C'est maintenant qu'il faut préparer le non de 2023 pour ceux qui sont à l'attente 2023. C'est maintenant qu'il faut préparer. C'est au lieu de dépenser des centaines, parce que c'est ça la différence entre ceux qui veulent le changement et ceux qui veulent juste avoir leur part du gâteau. C'est que ceux qui veulent le changement mettent des moyens pour ça. Et ceux qui veulent leur part du gâteau se contentent justement du chaos et en profitent. Donc, merci pour l'élection législative aujourd'hui. Demain, j'en ferai une analyse beaucoup plus approfondie. Et là, nous allons aller de personne en personne, de cas par cas, de ce qui s'est passé. Je vais faire cette analyse, pas parce que je n'ai pas envie de faire de l'élection législative un sujet important. Parce que je n'ai jamais cru avant que ça n'existe et je n'y crois toujours pas. Mais pourquoi je veux faire une communication? Parce que c'est un élément extrêmement important. L'élection présidentielle 2016, la seconde élection que nous avons vécue. Et c'est extrêmement important que les gens en parlent, mais surtout que l'on fasse une analyse responsable. Je dis bien que l'on fasse une analyse responsable. Le temps de pouvoir rigoler des gens, ça c'est pas... Non, on fait une analyse responsable parce que ces analyses responsables permettent à ceux qui n'ont rien compris ou qui ont compris quelque chose, mais qui peuvent peut-être, par cette occasion-là, enrichir leurs armes. Donc demain, ce sera l'analyse un peu de ce qui s'est passé. Et j'espère que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui. Nous allons discuter un peu là-dessus. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de live. Donc c'était un peu ça. Donc encore merci pour ceux qui m'ont suivi. Bon là, comme vous avez constaté, je suis dans le bus, hein, je suis en train de rentrer chez moi. Je suis dans un bus de voyage, en fait. Je fais un petit voyage, je rentre. Et là, je sommeille. Je vais m'endormir tout de suite après. Donc encore merci d'avoir été connecté nombreux. Donc demain, c'est l'analyse de ce qui s'est passé. J'espère que vous serez là nombreux, car il s'agit d'ouvrir et de sensibiliser. Encore merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Ciao. Donc Barry, vraiment désolé, si tu veux intervenir, ce sera demain. Parce que là, vraiment, comme tu vois là, tu vois mes yeux, j'ai sommeil, je suis fatigué. Donc on se parle, disons, demain. Encore merci d'avoir été si nombreux. Merci pour partager ceux qui veulent bien partager. Et on se dit ciao.